Pas de pression aujourd'hui, pas de points à prendre, pas de points à perdre, c'est un match amical. Oui, un match amical, mais vous savez aussi bien que moi qu'au niveau international, il n'y a pas de petit match, Hervé. Pour certains, c'est même le moment parfait pour taper dans l'œil du sélectionneur. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de ce match à l'instant. Mehmet Aurelio. Alila Altintop. Alila Altintop. Hamid Altintop. Ah, ça ne passe pas, ballon perdu. Oui, bien anticipé. Oh oui, le bon centre. Il a bien coupé là par la défense. Ah, ça ne passe pas. Konatenko. Voilà, bonne intervention, oui. Hamid Altintop. Ah oui, un très beau ballon. Oui, il va centrer. Dans la surface. Et la défense pas mécontente de récupérer ce ballon. Ah oh ouais, ça c'est un beau cadeau qu'ils lui font. Il n'y aura personne sur cette passe longue trop imprécise. Oh, le danger dans la défense. Oh ouais, c'est bien joué cet appel de balle. Oui, belle course, bon appel, faut lui donner. Belle passe, ça chauffe. Oh, c'est pas passé loin, ça a frôlé la transversale. Ouais, bien entendu, c'était difficile techniquement de réussir une passe aussi longue. Ouais, très bonne accélération. Oh, le ballon qui est contré par la défense. Les joueurs turcs qui peuvent peut-être porter le danger encore dans la surface. Corner. Oh, Masco. On perd le ballon, attention. Et la passe longue qui n'est pas parvenue à son destinataire. Non, manque de précision sur ce tir. Oui, Hervé, la lutte était âpre. On sentait qu'il y avait beaucoup de densité dans cette surface de réparation. Mais c'est finalement la défense qui a eu le dernier mot. Konatenko. Ah, bonne circulation du ballon. Konatenko. Ouais, bien vu cette passe. Allez, la Altintop. Oh, bien vu. Et le contre qui part à 100 à l'heure. La Turquie qui marque. Il faut qu'on revoie ce but. Et oui, le but est beau. Mais il faut vraiment insister, hein, surtout sur la construction qui était parfaite. Pour l'instant, pour la Turquie qui a ouvert le score rapidement et qui impose son rythme. Allez, Indo. Konatenko. Ah, il chip la balle. En une, deux. Gokanzan. Konatenko. Oui, bien défendu.
c'est intercepté. Konatenko. Et il continue tout seul. Ah oui, la belle passe. Konatenko. Oh, pas facile à juger ce hors-jeu. Oui, hors-jeu, mais de toute façon, ça ne paraissait pas très dangereux. Et à la récupération. Ballon qui est perdu. Mohamed Aurelio. Et le ballon qui arrive dans la surface. Et il trouve un partenaire sur ce ballon. Eh oui, c'est dedans. Ils sont en train de passer un moment euphorique. Et oui, les choses n'ont pas traîné. Là, deux buts enchaînés, pratiquement coup sur coup. Il y a le feu, Hervé. Et je pense que le gardien ne pouvait rien faire face à une telle précision. C'est bien ce que fait la Turquie dans ce match. Et ça fait 2 buts d'avance. Ce n'est pas négligeable. Konatenko. Anasco. Ouais, bien vu de la part du défenseur. Avec son gardien. Oui, bonne passe lobée, bien vu. Bonne anticipation. Non, il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Non, et le gardien ne voulait pas s'incliner encore une seconde fois face à lui. Là, c'est pas possible. Oh, sur ce coup-là, il est allé au casse-pipe. Et il redonne le ballon au gardien. Et on passe par les airs. Ouais, tentative de passe longue, toujours dangereux, le ballon est perdu. Et il reprend ce ballon. Ça, c'est intelligent, cet appel de balle. Oui, ça joue bien là. Et il centre. Non, mal ajusté ce centre. Ouais, bon appel de balle. Mohamed Aurelio. Oh, c'est repoussé, attention. Oh, le but, oui. Oh, c'est un deuxième coup de massue que vient de se prendre le gardien. Aujourd'hui pour les Turcs, quand ils servent le débat. Takaref. Kouliev. Oh, ça c'est une belle balle dans la défense. J'espère qu'il l'a vu parce que l'appel est bon. Hamit Altintop. Ouais, très bien joué ce centre. La défense vigilante sur ce coup. Barcelona Iliev. Barcelona Iliev. Yes. Ouais, bien joué, ça ne passe pas. C'est une touche pour la Mila aussi. Le
Varfolomaï Iliev. Ah, bien joué ce ballon aérien. Emre. Oh, il se rapproche du but. Iliev. Oh, le beau ballon. Oh, le but, mais ils sont encore loin au tableau d'affichage. Je crois qu'on est vraiment passé d'un but à l'autre en passant juste rapidement par le rond central. Ah ouais, vous avez raison Hervé, là ils se sont vraiment rués à l'attaque et finalement ça a payé. Hein. Ils ont fait preuve de beaucoup d'opportunisme sur ce contre, ils sont allés très vite. Allez, le score qui est maintenant 2-3 buts à 1. Ouais, il faut qu'il lui donne cet abat d'appel. Elle a tenté une longue passe, mais c'était pas assez précis. Il a fermé la porte impeccablement. Allez, la Altintop. Oh là là, il n'y a plus que le gardien. C'est un vrai poison et la défense qui va avoir du mal à le reprendre. Emre. Oh, il repousse, ça joue. Oh, oui, ça rentre. Je crois qu'il va vraiment falloir le marquer de près aujourd'hui. Ça fait deux buts déjà pour son compte personnel. Eh bien, il a fait preuve de beaucoup d'opportunisme. Il avait anticipé son renvoi du gardien. Là, je crois que ce but risque de ruiner le moral des adversaires de la Turquie. Ah oui, il avait senti le coup. Ouais, dans les bras du gardien sans problème. Regardez ce bon appel de balle. Et il tente ça. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas fini. Bon, c'est un centre à mi-hauteur dans la surface. La frappe en la jusqu'au. Ah, qui n'arrive pas à cadrer sa frappe, Hervé. Allez, la Altintop. Oh, cette fois, sa frappe n'est pas cadrée. Ouais, il y avait peut-être autre chose à faire, mais c'est bien quand même de prendre sa chance comme ça. Varfolomaï Iliev. Oh oui, le bon ballon. Ouais, bien coupé par le défenseur. Ah, le Biélorusse qui vient jouer la touche. Ouais, très bien joué. Oh non, ça ne peut pas réussir à tous les coups. Mais c'est bien, il tente, il a raison. Aurelio. Oh oui, le bon centre. Non, ce sera une fausse alerte. Iliev. Emre. Non, non, là, ce sera perdu ce ballon, beaucoup trop loin. Emre.
Ah, il l'avait bien senti venir. Stankovic. Ah, parfaitement dosé ce... Et voilà, fin des 45 premières minutes sur ce score de 4 buts à 1. 5 buts, c'est pas mal. Grosse domination tout le monde, Franck, dans ces 45 minutes. Une grosse domination, m'a rappelé. C'est avec une belle avance hein, qu'ils vont débuter cette seconde période. Reste à savoir s'ils vont la, plutôt la gérer ou tenter de la croître. Ah, il y a de l'engagement hein, dans la récupération. Allez, la Altintop. Oui, dangereux ce centre. Et l'attaque qui avorte. Et un hors-jeu parfaitement signalé. On dirait qu'ils ont une petite tendance à s'endormir, les attaquants. Il faut regarder le placement de la défense. Allez, la Altintop. Ça aurait pu faire un but de plus, mais l'occasion est ratée. Ouais, c'est une occasion gâchée là hein, pour Niat. On a donc perdu, récupéré de l'autre côté. Ouais, là, l'intervention était vraiment facile. La frappe était trop lointaine. On va chercher un partenaire dans la surface. Hamid Altintop. Non, elle n'est pas cadrée cette frappe. Oui, on voit très bien sur l'entier. Il n'a pas su se dépêtrer du marquage adverse. Emre. Lucas Nzan. Un joli louche. Hamid Altintop. Allez, la Altintop. Ah, il se heurte à la défense. Et le geste est propre, il n'y a pas de faute. Le ballon qui sort, et ça fait touche pour la Turquie. Gökhan Zan. Ouais, à toi, à moi, ça circule bien. Emre. Emre. Ah oui, c'est pas mal ce centre. Oh, ils étaient tout près, vraiment tout près de marquer un nouveau but sur cette action. Eh oui, pas facile dans ces conditions pour l'attaquant, forcément. Une passe un petit peu hasardeuse. Oh, que c'est bien coupé par le défenseur. Emre. Le centre dans la surface de réparation. Stankovic. Le long de la ligne de touche. Le tacle. Et c'est récupéré par les Turcs. Ah, et ça, c'est bien défendu. C'était une situation délicate. Ah oui, ça, c'est un centre extra. Superbe coup de pied loin devant. Kovac. Oh, que c'est beau ça. Ça, c'est propre et c'est efficace. Oh, quelle conduite de balle, c'est impossible de lui prendre le ballon. Hamid Altintop. Ah, droit sur le défenseur. Zanchikov. Oh, la parade. Oh oui, la parade du gardien. Iliev. Barcelona Iliev. Oh, passe déterminante peut-être, on n'est pas loin des buts. Ouais, c'est bien joué ça, d'apporter une solution comme ça au porteur du ballon. Emre.
Ouais, bien joué, là, très bien joué. Stankovic. Et ouais, le ballon qui circule bien. Barcelona Yiliev. Oh, très dangereux ce ballon qui se balade. Et le ballon qui est perdu. Attention, ils peuvent le récupérer. Ah, la défense, elle est vigilante. Emre. Le ballon qui va arriver dans la surface. Oh, la transversale, c'est pas fini. Ah, c'est contré, bien défendu. Kovac. Oh là, ça presse, attention. Alil Altintop. Oh oui, le gardien qui s'envole, c'est magnifique. Un corner donc. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. Oui, il a trouvé une solution. Ah, ils ont manqué l'occasion d'accroître un peu leur avance. Et oui, le corner était bien tiré, mais il rate complètement son geste technique sur cette reprise. Emre. Oui, joli 1-2. Alil Altintop. Hors-jeu, c'était trop beau. C'est l'effort de mieux se replacer, de se repositionner par rapport à la défense pour éviter les hors-jeux. Passe longue, c'est raté et c'est récupéré par l'adversaire. Alil Altintop. Ouais, il est bien placé. Emre. Et le centre. Et la balle qui arrive sur un défenseur. Ouais, bien défendu. Oui, bon. Et encore un but. La différence est faite maintenant. Et ça fait 2 buts. 2 buts pour son compte personnel. Mais le geste du buteur est bon, mais comment ne pas parler de cette passe qui fait la décision. La Turquie se détache encore un peu plus avec ce nouveau but. Kiliev. Ramasco. Oh, ça peut déboucher sur quelque chose peut-être. On cherche l'ouverture. Et il y a un défenseur sur la trajectoire. Oh, quel beau ballon! Oh, il le fait tomber en bourrique, regardez ça! Ah, attention à la retombée! Ouais, bien défendu, attention, c'est pas terminé! Tout près de la zone de vérité! Oh oui, il s'interpose joliment! On va frapper le corner. Un peu de sang-froid, l'entraîneur a décidé de procéder à un double changement. Et cette séquence ne donnera rien. Et un ballon qui ne trouvera personne, loin devant, trop loin. Aucun souci pour le gardien. Oh, il la récupère. Le Kanzan. Ouais, superbe passe lobée d'une très grande précision. Oui, ça c'est un bon appel de balle. La petite queue. Oh oui, la bonne passe vers les buts. Il va centrer là. Bon ballon dans la surface.
À quelques centimètres près, c'était dedans, mais ça reste la transversale. Rien à dire hein, sur ce match. Ils ont accéléré quand il le fallait et maintenant ils gèrent cette fin de rencontre. Et cette attaque n'ira pas plus loin. Et c'est une touche pour la Biélorussie aussi. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Oh, en danger avec ce centre. Alors, aurait fait du bien hein, de marquer sur ce coup pour espérer revenir. Et oui, l'attaquant n'a pas eu suffisamment de temps et suffisamment d'espace pour pouvoir réellement s'exprimer. Et il perd la balle, normal. Allez, la halting top. Emre. Attention avec ce centre. Et la défense qui est sur ce centre, pas de problème. Bien pris, pas de faute. Oh oui, c'est bien vu. Molodina. Et il a toujours le ballon. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Ouais, geste impeccable. Iliev. C'est bien de jouer collectif comme ça. Oh oui, très beau geste défensif, il y avait danger. Ah ouais, joli geste défensif. Ouais, bon appel, il faut lui donner. Ouais, il a perdu le ballon. À deux. Ouais, c'est bien joué cet appel de balle. Ça, c'était que... Oh, c'était l'occasion de tuer le match là qu'ils ont laissé passer. Oh la bonne intervention, oh la bonne intervention. Ouais, il a bien fermé la porte sur ce coup. Iliev. Eh oui, bien pris le ballon là. Ouais, bien dosé ce ballon. Ah, ça tourne bien. Et ça coupe le rélo. Bien joué. Oh oui, il est beau ce ballon. Il centre. Oui, c'est directement sur un défenseur. Oh, le bon centre. Oh, ça commence à être lourd. Encore un but. Ouais, c'est son deuxième but. C'est son deuxième but. Va peut-être en marquer un troisième, pourquoi pas. Allez, ce ballon très précis est vraiment très difficile à arrêter pour un gardien de but. De frapper un grand coup, les Turcs sont en train de s'envoler vers la victoire. Oh, il perd la balle. Emre. Oui, belle course, bon appel, faut lui donner. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ouais, elle passe un petit peu téléphoné. Emre. Attention à la réception de ce centre. Et l'arbitre qui met donc un terme à cette rencontre. Une rencontre riche en buts. Victoire nette 6-1. L'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire sur cette victoire donc. Bah, il faut dire qu'on a vu un match sérieux même. Bon, s'il est vrai, il y a eu parfois un peu de déchets techniques. Car les joueurs peuvent savourer cette victoire. La mission est accomplie. Merci d'avoir passé ce match en notre compagnie. Franck, ce fut un plaisir.